Bonsoir, bienvenue dans le monde d'Adil ASMR et ce soir nous sommes le lundi 30 août 2021. Pour cette avant-dernière journée du mois d'août 2021 et pour cette avant-dernière vidéo du mois d'août 2021, la vidéo de ce soir est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube Adil ASMR, ni en décembre 2018, ni en 2019, ni en 2020. Cette année qui se poursuit, la vidéo de ce soir s'intitule et s'appelle précisément avec un nouveau et nouvel déclencheur que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube Adil ASMR. La vidéo de ce soir s'intitule et s'appelle précisément Franche pour les sacs à main 2021, entre parenthèses sans micro. Avec ce déclencheur, je vais vous déclencher avec beaucoup de relaxation, de détente, de frissons. Pour finir sur le crochet pour les franges des sacs à main. Pour les franges pour accrocher sur les sacs à main. Maintenant avec le bout des doigts sur les franges des sacs à main. Maintenant, sur le crochet pour accrocher les franges sur des sacs à main. Déclencheur suivant.
qui est le scratching, comme toujours, en deuxième position, sur les franges des sacs à main. Désolé pour les voisins respectueux comme toujours qui courent comme si c'était l'hippodrome de Longchamp, comme des chevaux. Pour finir sur le crochet, pour accrocher des franges sur des sacs à main. Déclencheur du vent qui est le secouage juste sur les franges des sacs à main.
élément déclencheur suivant qui sera le dernier, le frottement comme toujours en dernière position sur les franges des sacs à dents. Sur le crochet pour accrocher des franges sur des sacs à main. Vraiment belle. La vidéo est maintenant terminée avec ce déclencheur. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour les personnes qui feront cette chose-là. Et merci beaucoup autour de Yéga pour les personnes qui ne feront pas cette chose-là, mais qui m'encouragent et me soutiennent et m'envoient des commentaires positifs et constructifs sur mes commentaires YouTube qui, malheureusement, la plupart du temps, sont désactivés. Mais je les ai